Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de notre journée du mardi 19 avril 2022. Alors, petit tirage avec l'oracle des miroirs et ensuite nous irons chercher une carte affirmation positive de l'estime de soi. Bien, alors, mardi 19 avril, 19, 9 et 1, 10, 10, 1, le chiffre 1, symbole du commencement. De la réussite totale en tout. On est dans vraiment le nouveau départ en chiffre 1. Vous pouvez avoir confiance en votre projet. En 1, c'est une évidence. En professionnel, le 1 indique aussi de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Par exemple, hein. Alors ça peut concerner un tout nouveau domaine d'ailleurs. Hein. Vous avez changé radicalement de domaine. Vous pouvez aussi monter en compétences ou avoir de nouvelles responsabilités. En sentimental, ben, il est temps de faire table rase du passé. Il est temps de s'engager dans une nouvelle relation. En couple aussi, il est temps peut-être de mettre en place des nouveaux projets, de démarrer. En 1, on commence. Voilà les amis. Alors, mardi 19 avril 2022. Quel est le message pour cette journée? En couple. Les amis, ouverture. Hein, on va peut-être faire connaissance. De nouveaux amis. Tout à fait, aussi. On démarre. Nouvelle amitié. Alors, voyons voir. Voilà. Prendre la distance. Il était temps, on va avoir des nouvelles ou bien des nouvelles à mettre du temps à arriver par rapport à la distance que l'on veut prendre. On veut se séparer. Pour certains, vous voulez peut-être vous séparer d'une femme. On fait table rase. Voilà, ça, on ne peut pas aller plus vite. Hein, et mieux dire. Pour d'autres, il semblerait que vous avez envie de vous séparer de choses. Hein. Vous avez envie de prendre de la distance, de partir dans une autre ville, un autre département, peut-être même à l'étranger d'ailleurs. Hein. Vous attendez des nouvelles qui peut-être ont mis du temps à arriver. On veut vraiment se séparer de quelque chose. Une femme, mais elle tourne le dos, vous voyez, elle s'en va. Elle se sépare de quelque chose. Pour d'autres, vous pouvez vous séparer aussi d'une femme. Pour d'autres, ben, vous avez tout simplement vous inverser, hein, homme, femme. C'est peut-être vous, mon consultant, vous, ma consultante. Vous voulez vous séparer. On va voir après de quoi, de qu'est-ce. Peut-être, donc, pour prendre... D'ailleurs, on voit que vous avez envie de prendre de la distance. Hein. Donc, en cette journée du mardi 19 avril. Alors. Il y a quelque chose qui va prendre fin. On veut vraiment prendre de la distance pour mettre fin à quelque chose. Et alors, vous voyez clair, vous en avez l'intuition, vous savez. Vous êtes assez... vous savez ce que vous voulez faire, en tout cas. Hein. Vous voyez clair dans le projet. Et vous voyez tout à l'heure à la coupe, et c'était marrant, j'étais en train d'y penser. Je disais, on fait connaissance de nouvelles amies. Il est peut-être aussi question de se séparer des anciens amis. Vous allez avoir des nouvelles en attendant. Quelque chose prend fin. Concernant nos amis, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. On discute, on va discuter, on va discuter. On va discuter d'éloignement, on va discuter... on discute d'argent. On veut... Ah oui, alors peut-être aussi... Ouh là là, l'amour est concerné. Il est peut-être question de discussion. On veut prendre de la distance... Depuis un certain temps, on a pris de la distance par rapport à des amis dont peut-être on va avoir des nouvelles. Ils ne sont peut-être pas à côté, hein, ils sont peut-être d'une autre ville. On va en discuter. Hein. On va en discuter. Mais il y a une histoire d'argent, et ça touche le domaine sentimental d'ailleurs, en amour. C'est quelque chose qui vous touche, hein, et ça touche l'argent. Peut-être va falloir vous séparer de quelque chose, et ça touche le domaine financier. Nouveau projet. Il va peut-être falloir vous séparer de quelque chose, peut-être laisser un peu d'argent pour pouvoir créer un nouveau projet.
C'est l'amour est là. Ici, c'est très beau aussi. Peut-être même certains grossesses pour certaines personnes. Vous allez avoir des nouvelles des amis qui étaient là, mais les amis, a priori, il y a quelque chose qui prend fin, on est d'accord. Avec le temps, peut-être que d'ailleurs vous vous êtes séparés hein, des amis. Peut-être que vous allez devoir en discuter de cette séparation. Peut-être aussi que cette séparation est liée à l'argent. Aussi. On voit que vous avez envie de mettre fin à quelque chose, de vous séparer, de prendre de la distance. L'argent est là, les projets sont là, le sentimental est là. Si vous n'êtes pas concerné au niveau sentimental, avec par exemple en couple, on voit que c'est quelque chose qui vous touche sentimentalement à vous. Vous avez envie de vous séparer. Alors, amis, là c'est marrant, il n'y a pas. Enfin, c'est marrant, façon de parler. Il n'y a pas la famille. Non, il y a un grand coup de chance en fait pour vous. Vous avez envie de vous séparer, vous avez envie de partir. Il était temps peut-être. Vous y voyez clair. Alors, vous allez avoir des nouvelles des amis qui sont peut-être dans une autre ville. C'est perçu comme un gros coup de chance. On va se séparer. Peut-être même qu'on va séparer un peu d'argent, enfin lâcher un peu d'argent hein, pour vous. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur pour recréer un nouveau départ, pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. Bah, n'oubliez pas, 9 et 1, 10, on est en 1, on est dans le commencement. Ou certains vont se séparer d'amis, ou d'autres, les amis vont les aider, vont avoir des nouvelles d'amis qui étaient longue distance. Hein. Mais en tout cas, on redémarre bien vers quelque chose qui tient vraiment à cœur, qui est projet, et c'est perçu comme un gros coup de chance. Voilà les amis, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, adaptez-le à votre situation. Nous allons voir quel message nous avons à recevoir avec notre affirmation positive pour cette journée du mardi 19 avril. Je l'ai sorti. Je me demande si c'est pas hier. Alors, c'est incroyable. Il y a plus de 80 cartes dans ce coffret. Je les ai mélangées. Et on n'y croit pas, elles ressortent. Eh bien, écoutez, c'est que le message n'a pas été assez entendu, j'ai envie de dire. J'essaye d'être une bonne mère pour moi-même. Une bonne maman est à la fois aimante, indulgente, encourageante. Elle aime son enfant d'une façon inconditionnelle. Elle n'est pas aveugle pour autant. Elle voit les défauts et les accepte. C'est de cette manière que nous devons nous aimer pour apprendre à nous estimer. Alors, je crois que j'avais déjà dit, pour ceux qui ne sont pas parents, hein, ça peut être tout simplement en rapport avec vos parents, aux relations que vous avez eues avec votre maman, par exemple, et de voir aussi les défauts que l'on a, notre façon d'être, notre manière d'être, pour apprendre à nous estimer nous. C'est, voilà, beau message qui ressort, certes. Alors, c'est parce qu'il devait ressortir, tout simplement. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous pas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.